tant que chante, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous laisser guider par Dieu. Parce que des fois, ceux qui nous suivent nous imposent leur volonté. Mais sache que tu n'es pas là à vouloir faire la volonté de tes fans. Quelqu'un m'a posé cette question. Étant chanteur, qu'est-ce que tu fais quand tu es invité à aller chanter quelque part? Étant chanteur, si on m'invite, je vais accepter d'abord. Je vais accepter parce que la personne a pris son temps pour t'inviter. Tu ne peux pas renier l'invitation ou bien tu ne peux pas rejeter l'invitation de la personne instantanément. Tu dis juste à la personne, ok, entendu. On verra, on remet tout entre les mains du Seigneur et on verra. Pendant ce temps, la personne t'a déjà notifié, n'est-ce pas? En ce qui concerne son programme. Donc pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un temps de prière. Parce que ne pense pas que tu es trop spirituel. Tu as une belle voix. Les gens te connaissent. Quand on t'invite, tu te lèves. Et puis tu y vas, tu chantes ce que tu veux. Voilà. Ou bien tu choisis une chanson que les gens connaissent. Juste tu chantes. Ou bien une chanson de popularité. Puis tu chantes juste. Non. Que voici ce que moi je fais souvent. Quand tu m'invites, j'accepte l'invitation. Après, j'ai un temps avec le vieux, hein, le père. Tu pries, tu remets tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, on m'invite là-bas. Il y a certainement un message que Dieu veut que tu ailles transmettre. Il y a certainement quelqu'un là-bas qui attend un message que Dieu va te donner. Tu vas soumettre ce programme entre les mains du Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'une servante. Je ne suis qu'un servant. Je veux que ta volonté soit faite. Maintenant, tu commences déjà maintenant à faire la liste de, peut-être de tes chansons que tu vas aller chanter là-bas. Tu fais la liste. Deux fois, quand je fais la liste, moi-même, j'utilise la liste pour adorer le Seigneur personnellement d'abord. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand le Saint-Esprit est avec toi, quand Dieu est avec toi, arriver au programme, quand il va permettre à ce que tu ailles, hein, parce que de voir, Dieu ne va pas permettre. Des fois, il y a des programmes que on t'invite à un programme. Tu es bien préparé, mais le jour J, il y a quelque chose qui va surgir et puis voilà. Donc, tu vas faire la liste, tu vas commencer peut-être à adorer le Seigneur. Et maintenant, arrivé au jour du programme, parce que tu as confié déjà le programme entre les mains du Seigneur, arrivé au jour du programme, bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Tu peux beau bien avoir la liste de tes chansons. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit va te demander de faire quelque chose. Ou bien il y a une chanson que tu vas chanter jusqu'à... Puis ça va emporter les enfants de Dieu. Ou bien carrément après cette chanson, Dieu va te donner une autre chanson. Et tu ne peux pas jouer à la star. Ou bien tu ne peux pas ignorer cette voix qui te donne une nouvelle chanson. Des fois instantanément, je reçois une nouvelle chanson que personne n'a jamais écoutée. Que personne n'a jamais chantée. Ça vient comme ça. Je dois chanter, je dois entraîner les enfants de Dieu aussi à chanter cette chanson avec moi. Ok? Je me rappelle de cette chanson quand j'étais invitée à un programme. Et je chantais cette chanson qui dit « De gloire en gloire, tu m'emmènes. » Le pianiste était en train de juste jouer. Hein. Et là, les mélodies commençaient à venir. De gloire en gloire, tu m'emmènes. 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 Et puis, il y a cette chanson qui suit. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur, tu m'emmènes. Yeah. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Wow. Après ce programme, quand j'ai vu la vidéo du programme, j'ai dit, mais Seigneur, tu fais des grandes choses, vraiment. Donc, en tant que chante, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous laisser guider par Dieu. Parce que des fois, ceux qui nous suivent nous imposent leur volonté. Mais sache que tu n'es pas là à vouloir faire la volonté de tes fans. Mais tu es là pour faire la volonté de Dieu. Tu es là pour représenter Dieu. Tu es là pour mener les enfants de Dieu dans sa présence. C'est vrai, il y a une chanson que Dieu peut te donner et que là où on t'a vu, tu peux continuellement chanter pour bénir des âmes, pour réconforter des gens. Mais il faut toujours demander à Dieu de te guider dans tout ce que tu fais. Si tu ne le fais pas, bien aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas loin. Et il y a une chose aussi, on est trop pressé. Ne sois pas pressé. Quand Dieu t'appelle dans un ministère, que ça soit n'importe quel ministère, ne sois pas pressé. Prends ton temps. C'est un long chemin. Parce que si tu te précipites maintenant là, parce que le chemin est long. Tu te précipites, tu ne vas même pas arriver au bout du tunnel. Prends ton temps. Demande à celui qui t'a donné le ministère de t'enseigner encore davantage. De te révéler encore des choses cachées. De te donner des secrets avant de te lancer. Ne pense pas que tu es en retard. Oui, je sens depuis là, rien ne marche. Je suis là, rien ne marche. Hein? Ma soeur là, elle est en train de prospérer. Elle est en train de faire ceci. Il est en train de faire ceci. Moi, je suis stagnant. Je suis là. Je suis immobile. Je suis... Hein? Ne dis plus ça. Prends ton temps. Laisse ton père te former. Quand tu finiras de te former, il te remettra la clé du succès. Et quand Dieu va te remettre la clé du succès, je te dis, personne ne peut ôter cette clé-là entre tes mains. Personne ne peut ôter la clé du succès, du bonheur que Dieu va te remettre, si ce n'est que lui. Merci d'avoir regardé à la loupe de la parole et je vous dis shalom et à la prochaine.